Depuis ce matin, je sais. Je ne peux pas dire que ça me plaise, mais le mot a été lâché. Je suis dépendant, donc pas fâché. Parce que je connais les servitudes que cela va m'apporter dans mes habitudes. Car elles ne seront plus jamais les mêmes. Donc pour moi, c'est un autre problème. Pour les résoudre, il me faudra une aide. Comme vivre un peu sur une corde raide. Ma vie doit continuer autrement. Il me faudra agir différemment. Ma vie continuera d'une autre façon. Ce sera à moi d'en apprendre les leçons. Surtout, ne pas me laisser aller. Bien écouter les leçons, ne pas me fâcher. Si elle m'oblige à des efforts, comprendre que c'est pour mon confort. Pour me déplacer, il me faudra deux cannes. Oui, deux. Au début, il me faudra beaucoup de calme, car mes jambes ne supporteront plus. Il me faudra beaucoup de courage, bien entendu. Mon indépendance va en souffrir. Pour ne rien trouver à redire à mon équilibre défaillant, je ne serai plus qu'un grand enfant. Depuis, les deux cannes ont laissé place au déambulateur. Le temps ayant passé, et aussi les heures. De toute façon, c'est valable pour tous. Autant l'admettre une bonne fois pour toutes. Le principal, c'est de ne pas souffrir. Peut-être vaut mieux bien rire, puisque le temps passera quand même, et que le mien ne sera qu'un problème. Vous qui passez de l'autonomie à la dépendance, croyez seulement que c'est la fin d'une danse. J'ai dû quitter ma si jolie maison par un jour de novembre triste. Il fallait pourtant se faire une raison. Il pleure dans mon cœur et sur ma vie. Mon tendre compagnon. Ses caresses et sa gaieté me hantent. Oui, pour moi, il n'y aura jamais plus d'été. Mais dans mon cœur, cette froideur. Mes yeux te fixent sans te voir. Regarde-moi, et qu'importe, car c'est avec mes mains que je te connaîtrai. Même si mes oreilles sont sourdes à tes propos, parle-moi, et qu'importe, car c'est avec mes yeux que je te comprendrai. Même si ma bouche reste muette à tes demandes, questionne-moi, et qu'importe, car c'est avec mon cœur que je te répondrai. Même si mon fauteuil roulant te paraît froid, approche-toi, oui, approche, qu'importe, car c'est avec ma chaleur que je te soutiendrai. Même si ma tête te semble vide et que mon corps ne répond pas à tes gestes, ne me fuis pas, car c'est avec ta tendresse que je survivrai. Même si je suis différent, ne m'isole pas, car c'est avec ton aide que je m'épanouirai. C'est à travers toi que je grandirai. La vieillesse est un état auquel il faut s'adapter. Ne pas toujours se rapporter aux années passées. Jeunes gens, n'ayez pas peur de nous regarder. Nous ne sommes pas désespérés, mais heureux d'un regard partagé. Nous repensons aux heureux moments, mais désormais nous vivons l'instant présent. Nous avons 90 ans et encore beaucoup de talent. Ne l'oubliez pas et surtout, profitez-en.